n'est pas tous infectés. Pourquoi ils nous font pas sortir ? Hey. Écoute, Brecken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rice ont piégé Brecken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris ? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Aie l'air sûr de toi. Salut, Brecken. Lena ? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Salut, Jade. C'est qui, ton ami ? Kyle Crane. Écoute, Brecken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là-dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane ? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire. Le prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas. Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jade, t'as une minute ? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Brecken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi, je n'ai plus de Loratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça ? Que veux-tu que je fasse, Lena ? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être... assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps ? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs.
Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Daoud doit encore avoir plein de trucs dans sa boutique. Sans doute un peu de tout. Mais sûrement des trucs qui nous seraient utiles. C'était du joli boulot, 31. Crane, c'est ça ? Des fois, on dirait qu'il n'y a personne à l'extérieur. Thank you.
Dieu! Oh! Waouh! Oh! Vous êtes un être humain! Est-ce qu'ils sont tous partis? Merci de votre aide, mais je vais rester. C'est chez moi. Personne ne me trouvera ici.
Regardez, l'ami, et te dire, cet homme a réussi. Non, je ne t'en veux pas, mais c'était le cas. Je possédais presque toutes les stations-service d'Aran. Et quand ils ont annoncé les grands jeux internationaux, ça devait être une aubaine, comme gagner au loto. C'est pas tout à fait ça, hein? Regarde autour de toi. Qu'en dis-tu? Aran était un endroit correct. Peut-être un peu en retard dans certains domaines. Mais on s'en sortait. Et puis nous avons décroché l'organisation des jeux. Oh, les promesses qu'ils nous ont faites. La classe moyenne devait devenir riche. Et les riches... Bref, nous étions censés devenir des rois. Je ne suis pas un roi. Tous nos rêves... Nos plans ont disparu en un clin d'œil. Et ça ne concernait pas uniquement tous les patrons prospères. Le gouvernement nous a rempli la tête de promesses en or. Vous êtes laveur de vitres, réparateur d'électroménagers, ouvrier de chantier. Les jeux vont transformer vos vies. Votre monde va changer. Ah, c'est sûr. Notre monde a changé. Regarde bien autour de toi, l'ami. Regarde. Et dis-toi que tu dois apprécier tout ce que tu as en ce moment même, à cet endroit. Parce que tout ça peut être enlevé en moins d'une seconde.
Gazi, y a quelqu'un ? Gazi, t'es là ? Si maman est pas contente, personne n'est content. Alors vaut mieux faire plaisir à maman. Gazi ? Moi aussi. On a le même nom. Tu viens du vidéoclub ? Je m'appelle Crane. Crane ? Crane, ça rime avec chaîne, traîne, graine, chaîne, traîne, graine, peine. C'est un drôle de nom. Est-ce que je peux entrer ? Non, c'est impossible. Impossible. C'est mon jour spécial avec maman. La fête des mères, c'est le jour le plus important du monde entier. Est-ce que tu viens du vidéoclub ? Pourquoi tu me demandes toujours ça ? Tu dois m'apporter mon film, sur moi. Ça s'appelle Charlie. Et ça parle que de moi.
et de mon intelligence. Gazi, si je t'apporte ton film, est-ce que tu me laisseras entrer? Bien sûr. Tu pourrais le regarder avec nous. C'est la fête des mères. Si maman est pas contente, personne n'est content. Et elle veut aussi des chocolats. Maman veut des chocolats. Non, non, attends un peu. Ça fait beaucoup. Discute pas avec Gazi. Ça marche pas. C'est ce que disent les gens du magasin.